Allez Sébastien, tout le monde est derrière toi. En tout cas, il est chouette là, ce public. Ça doit être vraiment très agréable pour le Marseillais. Je sens prêt. Alex Sotti, c'est bien. S'il vous plaît. Pour le silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour récupérer ce break de retard. Mesdames, messieurs. À 200 km/h, c'est le plus rapide pour l'instant. Il est beau. Oui, bien joué Sébastien. Tous les points qu'il va marquer maintenant, le français et bien public va exploser. On le voit hein, dans sa vitesse de déplacement, dans la qualité de ses frappes. De temps en temps, la réaction de Sébastien. Il passe la vitesse supérieure. Et dès qu'il le fait quand même, il arrive à mettre en difficulté et à dominer Alex Koretcha. Le plus dur maintenant, c'est sûr, c'est d'enchaîner ce type d'échange. Sans commettre bien sûr trop de fautes. Position là pour frapper un grand coup. La balle lui a un petit peu échappé, il a décentré ce coup. Alors on voit ici tout de suite que la balle va sortir en dehors des limites du court. Quelle première balle pour venir enchaîner tranquillement. 30-15. Regardez encore la volée de revers, et c'est une pure merveille, regardez, hop. C'est plusieurs fois qu'il enchaîne service volé maintenant Alex Koretcha. C'est vrai qu'une première comme ça à 182 dans la diagonale, ben, il aurait tort de se priver de ce genre de coup. C'était pas mal joué tactiquement, mais la balle lui a échappé un petit peu, elle est passée trop au-dessus du filet, trop longue. Tout finalement. Le public lâche pas, hein, toujours là. Bien que Koretcha ait là deux balles pour mener 5-3. Ça fait 5-3. Et ça ne perturbe pas trop hein, le public Alex. Ouais non. Il faut dire il mène 2-7-0, il a un break d'avance. Il gère bien son avance, hein. Il joue juste, il n'attaque qu'à bon escient. Le reste du temps, il se contente de repousser Sébastien Grosjean loin derrière sa ligne. Il y a le clan espagnol là, qui se lève pour dire Alex maintenant, maintenant. Si jamais ils ont peur que ça bascule avec un peu de folie là. Juste à côté.
Oh, qu'il est beau celui-là. Bah, c'est ce qu'il faisait au premier set, hein. Il le faisait très souvent. Il joue un peu plus long dans l'échange. Corrigel a failli se faire mal, hein. Vous avez vu son pied a planté complètement dans la terre battue. Tourne à l'avantage des Français, 30-0. Il veut tellement la faire tourner hein, que parfois ouais. Il part vers le bas. Ah, faut pas bien rater lui aussi de temps en temps. Hein. Ouais, il n'a pas donné beaucoup, c'est sûr. Ça sort, il y en a trop là. Voilà, sur chaque coup là, la balle elle gicle tellement. Après l'impact au sol, on sent à Sébastien, il peut rien faire dessus. Il est obligé de la remettre. En plus, il a joué long. Hein. L'Espagnol ouais. A tel point qu'il est plus vexif parce qu'il y a une balle qui pour certains était déjà derrière la ligne. Elle en était bonne. Ouais. 35. Ça prend tellement tard cette balle, on voit déjà tellement descendante. Il est loin derrière sa ligne. Allez, deux balles de 4 jeux à 5. Dans la raquette de Sébastien. Allez, jeu Sébastien. Il sert le point, il est satisfait en tout cas d'avoir conservé son service pour espérer encore. Et peut-être que le public de nouveau va lui montrer qu'il est toujours là. C'est terriblement difficile évidemment pour le Français. Mais encore une fois, on a vu des retournements de situation tant que c'est pas claqué avec la dernière balle de match, eh bien on peut toujours retourner la tendance dans le tennis. C'est sûr que Alex Correa est tellement un bloc dans tous les domaines que ça paraît mission complètement impossible. Mais là, peut-être qu'il va se dire bon, je sers pour une place en finale. C'est vrai que c'est tout à fait possible, Lionel. Il peut un petit peu se crisper, être un petit peu attentiste. Et puis Sébastien, sur les deux derniers jeux de retour, a montré des choses intéressantes. Il a pris finalement beaucoup de risques. Il a frappé plus fort dans la balle, même si il n'a pas été, je dirais, récompensé de ses efforts. C'était plutôt bien de sa part de le voir faire cela. Allez Sébastien, il faut y croire. À 5 partout, après tout est possible dans cette manche. De toute façon, il va se battre jusqu'au bout, Sébastien. C'est pas le genre à démissionner à ce stade de la partie. Sébastien, la France te regarde. Alors accroche-toi.
Ouais, c'est ça, mais difficile à venir le jouer ce coup droit à cet endroit-là. Le ball est très vite en jambe. Il y a peu de temps là pour se placer. Il a un peu raté son smash, ça suffit. Voilà, rien à dire, bien joué. Quelle longueur là, on sent dans les coups d'Alex Wawrinka. Plus ça va, plus il frappe fort, plus il joue long. Moins il rate. À deux points du match, l'Espagnol à deux points de la finale, de sa deuxième finale ici à Roland-Garros. Ça veut dire 3 balles de match pour l'Espagnol. Ah, il coince un petit peu physiquement là, le Français. Le travail de sable d'Alex fait son effet. Une balle qui s'échappe et Alex Correia jouera la finale dimanche face à Gustavo Kuerten, le Brésilien. Rien à dire, il a tout essayé, le Français. On a cru à un moment qu'il pourrait bousculer l'Espagnol dans la première manche en réussissant deux fois le break. Mais Alex est revenu toujours solide, très 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 solide. On peut lui dire bravo, même si à force on va quand même regretter qu'il soit toujours sur la route d'un Français pour jouer une finale après avoir sorti Cédric Pioline en 98. Il sort Sébastien Grosjean et cela ne souffre aucune contestation. Il était vraiment, vraiment le plus fort aujourd'hui et il essaiera de devenir le cinquième Espagnol à remporter Roland-Garros. Santana s'était imposé ici en 61-64, Andrés Gimeno en 72, Bruguera en 93-94, Desmoyer en 98. Et la sortie de Sébastien Grosjean qu'il faut applaudir. Il a fait un parcours absolument remarquable. Son match contre André Agassi restera un des tout grands moments de cette quinzaine de Roland-Garros. Pour lui, c'est quand même deux demi-finales de Grand Chelem. Il faudra passer, bien sûr, un jour ou l'autre en finale. C'est tout le mal que l'on souhaite à Sébastien. Mais aujourd'hui, Guy, Sébastien, c'était difficile. Sébastien, merci de nous dire un petit mot. Je sais que la déception doit être assez vive, mais il reste quand même un très, très beau parcours ici dans ces internationaux. C'est vrai que je suis déçu, mais je crois qu'Alex a fait une très, très grosse partie aujourd'hui. Il m'a empêché de produire mon jeu. Il jouait long, lifté, c'était difficile pour moi. J'ai un petit peu des regrets parce que j'avais des occasions dans le premier et puis aussi dans le second. Donc, mais je crois qu'il faut retenir quand même le bon parcours que j'ai fait ici. Le bon parcours, cet accueil du public et une forte, forte envie de recommencer. Bien sûr, je crois que le public a été formidable. Même aujourd'hui, je perds en 3-7. Je crois qu'il m'a encouragé du début jusqu'à la fin. Et ça me fait énormément plaisir. Bravo pour ce très beau parcours. Merci de nous avoir répondu. Sébastien Grosjean, alors que je pense, Lionel, qu'Alex Correia ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Il vient vers vous. Et ouais, on peut l'applaudir. Je pense que nous allons pouvoir peut-être voir Alex Correia dans le studio. Tout à fait, Nelson, tout à fait. Très bien. Je ne veux pas qu'il traîne trop à signer des autographes, mais on a encore quelques minutes pour recevoir Alex Correia. On a hâte de l'entendre sur son match et puis aussi sur sa finale à venir dimanche contre le Brésilien Gustavo Kuerten. C'était vraiment mission très 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 difficile pour Sébastien Grosjean. Comme il le dit, j'ai eu quelques petites occasions malgré tout dans la première manche, mais ça n'a pas suffi. Il a mené 3-0 dans le deuxième set, mais ce garçon-là était vraiment très très difficile à manœuvrer.
On sentait une vraie force tranquille dans le jeu de l'Espagnol qui inexorablement a grappillé les points, a usé Sébastien Grosjean, l'a poussé à la faute, l'obligeant à jouer tellement long que les balles sont sorties, comme ici, sur la balle de match. La première, et il remporte ce match sur son service blanc, comme un signe de cette domination, de cette force pendant ce match. Alex Correia, donc, qui jouera la deuxième finale de Grand Chelem de sa vie, après avoir raté, on peut dire, sa première finale en 98 face à Carlos Moya. Et Nelson, vous êtes aux côtés d'un homme heureux de jouer de nouveau une finale de Grand Chelem ici à Paris. Oui, d'un homme heureux, et je pense que Lionel et Guy seront certainement d'accord avec moi ainsi que l'ensemble des téléspectateurs français pour dire, Alex, que si nous sommes tristes de la défaite de Sébastien, nous sommes heureux que ce soit contre vous, parce que vous êtes vraiment un gentleman des cours et vous le prouvez sans arrêt. Sébastien était bien sûr très déçu, regrettait les occasions dans le premier et dans la deuxième, et dans la première et dans la deuxième manche. Votre opinion? Oui, c'est vrai, je crois qu'il était... Il a gagné un break dans le premier set, 3-2, il a perdu tout de suite. Après aussi, il a perdu encore avec 4-3. Et je crois que le tie-break, il a fait très mal à lui, à la tête, parce que même qu'il a mené 3-0 dans le deuxième, je crois que j'étais beaucoup mieux que lui mentalement. Et c'était important, parce que je fais 5 jeux de suite. Et en ce moment, j'étais la sensation de que lui, il était un peu bas. Et même son coup de droite, il arrêtait plus de la normale parce qu'il n'était pas la confiance. Non? Alors Alex, évidemment ici vous avez des souvenirs presque formidables. En 98, vous étiez également en finale. Cette fois, il reste une marche à franchir et pas des moindres. Oui, c'est vrai que pour moi c'était très important de jouer encore en finale ici à Roland-Garros. Il veut dire que mon carrière est encore là, encore je peux jouer de grandes victoires, je peux aller dans la courte et je crois que je améliore mon niveau de jeu, je joue plus agressif qu'avant. Mais même pour gagner ce match, je tiens que jouer, je crois qu'un match impeccable parce que Guga il était très fort aujourd'hui, je le vis un peu. Et il a Vous avez eu le temps de regarder un peu, pas tous, parce que j'étais concentré, j'écoute un peu la musique pour relaxer un peu avant le match. Quel genre de musique? Musique espagnole cette fois. Flamenco? Non, pas flamenco. Quel genre de musique? Rock espagnol. Rock espagnol. Estopa. Vous nous le chanterez dimanche peut-être après la finale, le Alex. Rock espagnol. Oui, j'espère. Guy et Lionel, suivez ce match. Oui. Oui, on va finir par vous haïr, hein, Alex. C'est pas sympa ce que vous faites. À chaque fois, vous battez un Français en demi-finale. Ah putain, excusez-moi, je sais que c'est tellement déçu, mais je fais ce que je peux et j'espère que cette fois, Guga, il a déjà des coupes de mousquetaires. Alors ça suffit. Oui, ça suffit pour lui. Alors je crois qu'il a encore le temps pour gagner encore de plus et pour moi, c'est bien si je peux gagner. Mais vous vous exprimez tellement bien en français que vous êtes le plus français des Espagnols finalement, Alex. Oui, merci beaucoup, oui. C'est joli pour moi de regarder que j'ai encore suis ici à Paris et même je raccorde encore quand j'ai battu M. Guy Forget, excusez-moi parce que je dis ça, de la cour centrale, il était une grosse expérience pour moi et en ce moment, j'ai la tranquillité de regarder, je crois Guy que tu me connais bien, que j'ai progressé beaucoup mon jeu et c'est pour ça que je suis satisfait. Oui, tu as fait beaucoup progresser ton jeu et c'est vrai que tu es une nouvelle fois en finale à Roland-Garros, tu as aussi gagné le Masters, c'est ce qu'on a dit avec Lionel tout à l'heure, donc tu as fait des progrès en simple, en double, sur terre battue, sur surface rapide. Je voulais que tu nous dises juste un petit peu comment est-ce que tu as abordé tactiquement le match aujourd'hui contre Sébastien. Moi je savais ce qu'il allait faire pour jouer contre toi. Toi comment tu voyais ce match et qu'est-ce que tu comptais faire aujourd'hui pour battre Sébastien? Ouais, mon idée elle était d'aller sur le court et jouer le très loin possible pour ne pas lâcher à Sébastien d'attaquer tout le temps sur mon rêve. Et même de jouer avec beaucoup de premiers services, même si j'ai arrêté quelqu'un, mais pour jouer avec mon droite et faire lui courir un peu, parce que sinon, si je suis tout le temps dans le défensif, alors lui c'est plus dangereux. Et je crois qu'il était très important le premier set, parce qu'il a bâché un peu relâché les bras, et c'est pour ça qu'après il était difficile, mais même un peu plus facile que j'espérais avant le match. En tout cas, bravo Alex, on vous retrouvera donc avec plaisir, malgré tout,
dimanche pour la finale face à Gustavo Kuerten. Mais quand je vous disais tout à l'heure qu'on allait vous haïr, c'était pas vrai du tout, hein, parce que vraiment on vous apprécie et sur le court et en dehors du court, et vraiment vous êtes un super joueur. Merci, merci et puis bonne finale pour dimanche. Merci Nelson, merci Guy. On se retrouve demain à partir de 14h10. Ça sera pour vivre avec Michel Drey et Jean-Paul Hott la finale dame entre Jennifer Capriati et Kim Clijsters, la belge. Et demain, on parlera des femmes. Merci d'être resté avec nous. C'est la fête à la maison qui suit après sur France. De bonne soirée, à demain.